Salam. Aujourd'hui, dans les cours de Tajwid, on va parler des différents degrés de lecture. On va parler en fait des vitesses de lecture. En Tajwid, on dit qu'il y a trois vitesses qui sont autorisées. Et-tahqiq, donc c'est une vitesse plutôt lente. Et-tadwir, qui est une vitesse moyenne. Et el-hadr, qui est une vitesse un peu plus rapide. Donc, pour vous donner des exemples, si vous regardez Cheikh Hussari, lui, c'est plutôt tahqiq, très lent. Ensuite, Al-Afassi, lui, c'est moyenne, c'est normal. Et ensuite, Soudais, lui, il récite un petit peu plus rapidement. Pourquoi est-ce qu'on enseigne ces vitesses-là aux élèves? C'est surtout en fait pour que l'élève comprenne qu'il y a des vitesses qui ne sont pas autorisées. Alors, celles qui ne sont pas autorisées, c'est les vitesses qui sont très lentes. Elles sont tellement lentes qu'en fait l'élève va tout prolonger, mais vraiment tout. C'est-à-dire qu'il va prolonger les lettres, les voyelles, les consonnes, tout, mais vraiment tout. Et ça, c'est pas autorisé parce qu'en fait, il va tout déformer. Il va rajouter des prolongations, mais il n'y en a pas. Il va rajouter des chadda, il n'y en a pas. Enfin, voilà. Et donc, du coup, le message du Coran, il va être complètement déformé. La vitesse qui est très rapide, elle aussi, elle n'est pas autorisée. Plus rapide que Soudais, non, c'est pas possible. Parce que là, on ne va plus du tout comprendre le sens du Coran. Or, je vous rappelle que le but du Coran, si vous apprenez sa mémorisation, sa lecture, c'est de véhiculer le message. Comment est-ce que vous voulez qu'une personne vous comprenne si vous parlez très vite? Rien qu'en français, quand vous vous exprimez en français, si vous parlez très très vite, on va vous dire, attends, ralentis parce que là, je n'ai pas tout suivi. Comment vous voulez que le message d'Allah Azzawajal il parvienne à quelqu'un si vous lisez trop rapidement? Alors, du coup, il faut que vous trouviez une vitesse correcte. Déjà, vous, quand vous parlez, vous voyez déjà votre vitesse. Moi, ma vitesse, elle est moyenne. Elle est moyenne, limite, des fois un petit peu rapide, ça dépend. J'ai des élèves, elles ont déjà dans leur façon de s'exprimer, elles parlent de manière très lente, très doucement. Donc, elles, je sais que ça va être du tahqiq. Donc, voilà. Donc, essayez de vous caler, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'à partir du moment où vous commencez la récitation, la lecture, avec une vitesse, vous devez la garder jusqu'à la fin. Vous n'avez pas le droit de changer de vitesse. Par exemple, vous allez lire rapidement et puis vers la fin, vous allez ralentir, vous allez freiner. Non, vous n'avez pas le droit. Vous devez garder la même vitesse tout au long de votre récitation, de votre lecture. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui va découler de votre lecture, donc par exemple les runas, les temps des prolongations, tout ça en fait va être proportionnel à votre vitesse. Prenez l'exemple en fait d'une cassette. Vous prenez une cassette, bon, c'est vrai que maintenant ça se fait plus les cassettes, de mon temps ça se faisait. Vous prenez un audio, vous le mettez en vitesse accélérée ou vous le mettez en vitesse ralentie. Vous verrez en fait que les prolongations, ce n'est pas les mêmes. Si vous récitez, vous dites bah. Eh bien, si vous le mettez en accéléré, ça va faire, bah, ça va être beaucoup plus raccourci. Donc, votre de temps, il va être proportionnel à votre vitesse. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous ne pouvez pas changer en fait, de vitesse du début à la fin, parce que sinon, vous allez devoir changer les règles, c'est-à-dire changer la durée de vos de temps, de vos runas et de tout ça, en fait. Et ce n'est pas cohérent. Donc, faites très attention à ça. En plus de ça, j'aimerais apporter une petite note, une petite précision concernant ce qu'on appelle tartil. Parce que dans le Coran, il y a le mot tartil. Et les gens pensent que ça, c'est une vitesse de lecture. Docteur Ayman, en fait, il explique très bien dans une de ses vidéos que, en fait, le mot tartil, que ce verset du Coran, tartilan, en fait, ça fait référence aux trois rythmes de lecture que je viens de vous mentionner. Parce qu'en fait, ça inclut tout type de lecture, c'est-à-dire ces trois types de lecture, pourvu que vous respectiez les règles de Tajwid, que vous ne déformiez pas le sens du Coran. Voilà. Donc en fait, ça inclut tout ça. Et donc ce n'est pas une quatrième vitesse de lecture.